bien qu'ils ne sont pas là. Ils vont chercher à s'inscrire ici, à l'ISEC. En ce jour de la rentrée universitaire, les étudiants de la L1 sont massivement venus à l'ISEC de Lambagny pour accomplir les formalités afin de commencer les cours. Ils sont 700 et quelques étudiants à être orientés dans les différentes filières d'enseignement de cet institut. C'est le cas du jeune Faya Moussa Kounduno et les autres qui vont suivre les cours de philo-économie. Bon, je vais être un bon encadreur pour servir mon pays. Je me suis déjà inscrit auprès du département. Bon, je suis vraiment content. Et au niveau du site Gupol, oui, au niveau du Gupol, j'ai effectué mon inscription. J'ai payé encore là-bas 100 000. Je n'ai pas trouvé de difficultés. De commencer à l'orientation jusqu'à l'inscription, au niveau du Gupol, je n'ai pas trouvé de difficultés. Je suis déjà prêt, je me suis préparé pour affronter cette année universitaire. Pour moi, je considère l'ISEC. Vu aussi, dès que nous sommes arrivés ici, nous avons eu la chance de se voir avec assez d'encadreurs. Et parmi ces encadreurs, ils nous ont conseillé. C'est l'un des conseils les plus dits, c'est quoi? C'est de se concentrer. C'est ici à l'ISEC, c'est la rigueur. Ici à l'ISEC, c'est le courage. Donc j'espère que n'importe où, si tu veux réussir, c'est le courage et la rigueur. J'ai choisi l'ISEC, c'est juste pour être un vrai patriote. Parce que là déjà, une fois que je suis formé par là, je peux avoir l'accès dans les autres établissements pour donner cours à mes frères, à mes soeurs, bon, pour qu'ils puissent eux aussi à leur tour donner quelque chose de l'essentiel à la nation. Quant à Mamadou Lamarana Baldé, il est à sa dernière année d'études universitaires. Il fait la L4 et est satisfait de la qualité de l'enseignement qui est donné à l'Institut supérieur des sciences de l'éducation de Guinée. Bon, il y a l'engouement quand même. Il y a les nouveaux étudiants, il y a les anciens qui sont toujours là. D'ailleurs, si vous allez un peu dans les salles, vous allez constater que les cours ont effectivement repris. Il y a les nouveaux étudiants qui sont là, qui sont en train de s'inscrire. Voilà un peu, c'est l'engouement qui prévaut ici. L'ISEG, vraiment, c'est une institution d'enseignement supérieur. Il y a une formation de qualité ici, à l'ISEG. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, même au niveau de la rentrée, c'est la discipline, même le mode d'habillement, donc vous voyez tout ça là. Et aujourd'hui, l'ISEC, c'est une institution d'enseignement supérieur qui inspire même les autres institutions d'enseignement supérieur du pays. Mansa Kondé est le chef service information et communication de l'ISEC de Lambagny. Avec les autres encadreurs, ils ont tenu hier, mardi 1er novembre, la réunion du comité d'institut. Comme vous pouvez le constater, la réinscription a commencé. L'inscription, on a sensibilisé les étudiants à s'inscrire sur Gupol parce que la plateforme Gupol, lorsque l'étudiant valide son inscription là-bas et l'inscription physique se tient à l'ISEG, mais pour les anciens, les étudiants de la deuxième, troisième et quatrième année, l'inscription a commencé et il y a déjà certains étudiants qui sont même en classe. Il n'y a pas beaucoup d'étudiants, notre capacité d'accueil est supérieure au nombre d'étudiants sur le campus. La reprise des cours n'a été effective que dans certaines salles de classe de l'Institut supérieur des sciences de l'éducation de Guinée ce mercredi 2 novembre, car d'autres sont restées quasiment vides.